어메요.
En été, vers les années 500, la mer était beaucoup plus sûre que les routes. Et les pêcheurs bretons arrivaient encore à comprendre leurs homologues du Cornwall au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la même langue. Il y a une certaine nostalgie de cette unité perdue.
Je me souviens de tout ce jour-là, avec une précision effrayante. C'était un jour un peu spécial. Je devais déjeuner avec une collègue qui me plaisait beaucoup, une professeure d'histoire. J'avais même feuilleté un livre d'histoire la veille pour ne pas avoir l'air d'un idiot. Elle avait toujours une queue de cheval un peu sévère, mais son sourire était radieux. Et elle souriait souvent. Je rêvais de lui détacher les cheveux. Et elle avait des yeux... grands yeux verts. Une heure avant le déjeuner, j'étais dans la salle de classe à démontrer la formule de l'air. Il y avait deux élèves qui discutaient au fond de la classe. J'allais leur demander de se taire. J'ai pas eu le temps.
Un pion est entré, il m'a dit qu'on me demandait au téléphone et que c'était urgent. Je me souviens de la voix de mon ex-femme, douloureuse, presque éteinte. Elle m'a dit « Viens vite, il demande à toi ». J'ai couru jusqu'à l'hôpital. Il n'y avait plus de formule de l'air. Il n'y avait plus de déjeuner avec la jolie prof d'histoire, il n'y avait plus rien. Quand je suis arrivé, il était trop tard. Le cœur de Patrick s'était arrêté. Il avait 21 ans. Il traversait la rue Lafayette, une voiture l'avait percuté. Il était arrivé encore conscient à l'hôpital et sa mère avait eu le temps de lui parler. Et puis, il s'était simplement éteint. Et j'avais perdu mon fils unique sans même avoir eu le temps de lui dire que je l'aimais. C'est curieux, la machine humaine. Tout fonctionne et puis ça s'enraye. Comme une ampoule qui pète, comme une mécanique qui s'arrête et tout est fini. Vous appelez comment, déjà ? Patrick. Il est déjà 17h, je dois y aller. Laissez, c'est pour moi. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. J'arrive dans 2 minutes, monsieur Maurice. Il faut vraiment que j'y aille, papa. Je viens de voir la semaine prochaine. D'accord ? Ils ont fini l'esprit à l'extramway. Oui. 4 ans que ça dure. 4 ans. Y a pas à dire, hein. Paris, c'est un chantier permanent. En tout cas, pour se garer, c'est un vrai calvaire. Bon, ça crée des emplois, me direz-vous. Hein? C'est vrai, c'est tellement dur en ce moment pour vous, les jeunes. Oui, enfin, pour nous, ça va, hein. On est à l'hôpital, on est à l'abri. À ce propos, le travail à l'hôpital, ça se passe bien? Très bien, oui, oui. On a beaucoup de boulot avec l'inventaire, là, en ce moment, et puis le froid nous amène du monde aux urgences, mais... Non, mais c'est vrai, ça, mais qu'est-ce qui fait froid? Mais c'est incroyable, hein. Mais moi, je me rappelle pas qu'il faisait aussi froid les années précédentes. Non, l'an dernier, il a fait, allez, peut-être 2 semaines de froid, grand max. Mais c'était plus de cette période, c'était tout à fait bien. Ouais. Maxime, encore un peu de café. Non, merci. Oui, merci. Lucie, tu veux du café? Oui, s'il te plaît, oui. Merci, maman. Oh non, tu sais, le docteur a dit de... Il l'a bien précisé, pas de café, pas de sucre, pas d'alcool. Nous aussi, on a décidé de réduire notre consommation de café. Lucie, il a un peu de mal, mais... Non, mais c'est bien d'éviter les mauvaises habitudes. C'est une saleté, hein. Une fois qu'on s'habitue, on peut plus s'en passer. Vous mettez du café, du sucre dans votre café? Oui, je mets du sucre, oui. Ouais, c'est le piège. On commence comme ça et puis c'est foutu. Ouais, par ailleurs, je fais pas beaucoup d'excès. Et je suis plutôt sportif. Ah va. Oui, c'est vrai, ça se voit. Oui? Oui. Merci. Non, mais la santé, il n'y a que ça de vrai, quoi. Surtout que les médicaments, vous avez vu le prix des médicaments, mais c'est incroyable. Ouais, hein? C'est très cher. C'est très cher et c'est déremboursé de plus en plus. Ah oui, ça c'est sûr. Et alors moi je croyais, enfin j'avais entendu qu'on allait les vendre dans les supermarchés ou quelque chose comme ça, et pas du tout. Oh, heureusement que non. Non. L'automédication c'est dangereux, faut surtout pas faire ce genre de choses. Aux États-Unis c'est vraiment une catastrophe. Hein. Ouais, mais enfin au moins au niveau du porte-monnaie, ça vaut le coup. Hein. Pas forcément. Ah bon? Non. Enfin c'est vous, vous êtes un spécialiste, hein, vous êtes dans la partie, mais quand même, moi je trouve qu'il y a des choses qui... Ouais. Sur une famille, si quelqu'un est malade... Il y en a de plus en plus qui sont déremboursés en plus. Ah, tout à fait. Noël, N-O-E-L. Noël, N-O-E-L. N-N. Voici venir les reines. Oh, nous aurons des cadeaux. Les enfants sont joyeux. Elle, c'est le soir de Noël. Noël, à Noël.
Maman, pourquoi t'es jamais là? Bah, c'est pas facile en ce moment. Il va falloir que tu sois patiente, ma puce. Oui, mais je m'ennuie, j'ai personne avec qui jouer. Bah, ne dis pas ça, il y a ton frère quand même. Allez, ma coccinelle, fais de beaux rêves, il est déjà tard, tu sais. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Ça suffit. Allez, il faut que tu rentres dans ta maison. Mais n'aie pas peur, je suis là. Bonne nuit, Pilou, à demain. Tiens, ça c'est pour toi. Comme ça, t'es pas triste. Je te fais une belle maison pour te faire plaisir. T'es ma copine parce que moi, t'es ma copine. Tu fais quoi, maman? J'écris des cartes. Pour qui? Pour tout le monde. Tu dis quoi? Écoute, ma chérie. Papy n'est plus là. Et on le reverra plus jamais. Il est parti? Oui, il est parti. Où ça? Il est au ciel, ma chérie. Il est au ciel, tout là-haut? Oui. Mais il est tout seul? Oui, il est tout seul. Mais il vit toujours quelque part dans notre petit cœur. D'accord? Allez, tu me laisses écrire? Tu vas jouer? T'inquiète pas, ça va aller. C'est pour toi, maman. Non, c'est pour moi, ma coccinelle. Thank you.
Eh bien, mademoiselle, vous avez un crocodile. Ah, bon. Oh, vous n'êtes pas la première, vous serez sûrement pas la dernière. On s'en sort très bien, je vous rassure. Maintenant, la limite, c'est ça. Tu es mignon quand même.